Après l'attaque d'un camp militaire abritant des soldats russes en novembre à Bosangoa, c'est la maison russe, le centre culturel installé à Bangui, la capitale centrafricaine, qui a enregistré vendredi une attaque au colis piégé. La cible, le directeur général du centre, Dimitri Siti. Ce haut responsable russe était dans son bureau quand il a reçu le colis anonyme qui, aussitôt ouvert, explosait et le blesse grièvement. Un acte criminel de plus dénoncé par le gouvernement centrafricain qui a annoncé l'ouverture immédiate d'une enquête pour situer les responsabilités. Le gouvernement, tout en condamnant fermement cette attaque terroriste dirigée contre un haut responsable de la mission russe, donc contre la présence russe en Centrafrique, annonce l'ouverture immédiate d'une enquête judiciaire à l'effet de faire toute la lumière sur cet acte ignoble. Selon les médecins centrafricains, l'état du directeur de la maison russe est stable mais reste préoccupant. Le ministère russe des Affaires étrangères évoque un acte criminel visant à nuire au développement des relations amicales entre Moscou et Bangui. Le gouvernement prend à témoin l'opinion nationale et internationale de ces manœuvres de déstabilisation et réitère son attachement indéfectible à la coopération bilatérale avec chacun des partenaires de la République centrafricaine et plus particulièrement avec la Fédération de la Russie. Dans la foulée de cette attaque, le patron de la campagne paramilitaire privée russe, Wagner, a accusé la France d'être à l'origine de cette attaque. Une allégation démentie aussitôt par Paris. Mais selon l'ambassade russe en Centrafrique, Dimitri Siti aurait déjà reçu des menaces de mort contre lui et sa famille si la Russie ne cesse de coopérer avec Bangui.